Allô? Cool. Bon, je sais augmenter mon son un peu parce que le Zoom dit que je suis trop basse. Ça va bien? Ouais, cool. Je vais mettre mon téléphone à Donc, imaginez-vous donc qu'hier, mon chum est allé faire un tour dans Valleyfield. Il y avait juste ma section de la ville qui avait pas d'électricité. Puis c'était pas à cause qu'il y avait des vents puis des orages parce qu'il faisait super beau. C'était à cause qu'ils sont en train de refaire des poteaux de téléphone. D'hydro, en fait, là, tout ça. Puis j'ai entendu quand, parce que mon chum, il m'écrivait sur mon cellulaire qui diminuait rapidement la batterie, là. Je suis allée le charger dans mon auto. Il m'écrivait sur mon téléphone et il me disait, ah, regarde, parce qu'on peut aller voir sur Hydro-Québec là, quand il y a des pannes, pourquoi, puis tout ça, puis quand ça va revenir. Puis c'était supposé revenir tôt, mais quand c'est revenu, j'imagine que tout le monde, comme moi, chez nous d'ailleurs, on avait tous nos trucs à on. Puis j'ai entendu un pouf très fort dehors, fait qu'il y a peut-être quelque chose qui est comme. Un transformateur ou. En tout cas, bref. Fait que ça revenait à 7 h et que à l'entour de 7 h hier soir. Fait que j'ai dit, je vais remettre ça aujourd'hui. Puis là, la journée qui était supposée être aujourd'hui en live, ça va être demain à 11 h. Donc, on va comme refaire un live demain à 11 h. J'aurais aimé le faire à 1 h, mais mon horaire n'est pas constitué comme ça. Je n'étais pas supposée dans mon horaire d'avoir une panne électrique. Donc, aujourd'hui, là, Daniel, j'attendais parce que je voulais te muter, mais tu n'arrives pas, ma belle. Fait que je vais commencer. On a vu le premier jour. Donc, bonjour tout le monde. Les gens qui sont pas en direct comme les gens en direct, là, je vois qu'il y a Daniel et il y a Julie. Salut tout le monde. Puis vous savez que si vous êtes en direct, que vous mettez votre caméra ou pas, ça va être retransmis. Hein. Là, le but, c'est vraiment la promotion de la formation en juin qui commence le 11 du 11. Donc, et puis ensuite, c'est ça, la promotion de 1 000 $ est jusqu'au 31, de réduction de 1 000 $ est jusqu'au 31 octobre. Monumental se voit comme le nez. Bon, OK. Cool. Donc, le jour numéro 1, on a fait une introduction sur Angemain. On a vu les différents corps énergétiques qui existaient. Pas tous, mais une partie, les principaux. Après ça, on a purifié, fait des exercices pour purifier puis comprendre l'importance du corps physique dans la game. Le jour 3, équilibrer le monde ben, le corps émotionnel, mais le monde émotionnel, les émotions. Les émotions stagnantes, comprendre qu'est-ce qui est à nous, pas, qui est pas à nous, puis ensuite, aller chercher des outils pour gérer tout ça. Le jour 4, on a clarifié c'était quoi le corps mental, son importance. Puis quand on est dans une énergie négative au niveau de nos pensées, ben on attire. Donc, puis on va aussi générer une émotion qui vient avec. Donc, puis après ça rentre dans le corps physique. Là, ben, les malaises, maladies commencent. Le jour 5, on a été plus en profondeur dans le corps astral. Donc, on a compris que le corps astral, il jouait un rôle important, muy importante dans les rêves, puis les sorties de corps, là.
C'est sûr que ça a toujours été comme ça qu'on a fonctionné. C'est toujours comme ça qu'on va fonctionner, mais avec le temps, on est plus en multidimensionnel. Fait que c'est plus que le corps astral qui peut partir consciemment, hein. Mais durant la nuit, c'est le corps astral. Puis on a le jour 6, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est renforcer le corps éthérique, surtout celui qui est autour du corps physique. Protection de l'aura, de notre énergie. Donc, apprendre à renforcer son énergie, son aura, puis à se protéger contre les énergies extérieures. Puis quand je parle de protéger, c'est plus d'avoir confiance de ce qui rentre et qui ne rentre pas dans vos corps. Salut Daniel, t'es arrivé. Donc, t'avais de la difficulté avec ton internet probablement. Puis c'est ça. Donc, on va gérer surtout le corps éthérique autour du corps physique. Puis ceux et celles qui sont dans la formation apprendre à être en chemin, vous savez qu'il y en a plus qu'un corps éthérique, là. Mais on va commencer ici avec celui autour du corps physique. Ça va être déjà une bonne base. Puis demain, ben, on va terminer avec le corps causal puis spirituel. Donc, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, les gens qui sont en direct, mais aussi ceux et celles qui vont réécouter la rediffusion, parce que je vois quand même que vous êtes nombreux à réécouter, j'aime ça. Je vois qu'il y a comme, je ne sais pas, là, je ne suis pas up to date, là, mais la dernière fois que je suis allée voir, il y avait plus de 70 personnes qui écoutaient les formations, fait que je trouve ça cool. Donc, c'est sûr que la semaine prochaine, je vais commencer à enlever tout ça là, à partir du jour 1. Fait que dépêchez-vous si vous n'avez pas déjà écouté. Aujourd'hui, l'objectif du jour, en fait, c'est d'apprendre à renforcer le corps éthérique qui est autour du corps physique et de protéger notre aura des influences extérieures. Le corps éthérique, c'est une couche énergétique qui est toute subtile, qui entoure tout ton corps physique. Souvent, les gens peuvent le voir. C'est pas l'aura, hein, ça, c'est vraiment une couche très fine. Cette couche, ben, elle peut être de plus en plus épaisse, dépendamment des gens, là, mais normalement, c'est une couche qui est quand même assez fine autour. Puis ceux et celles qui ressentent quand on fait des soins énergétiques, on peut ressentir qu'il y a des trucs qui sont venus stocker là de d'autres vies. Ça peut même être transgénérationnel. C'est une barrière de protection. Un peu comme, mettons, vos cils, tu sais. Donc, protège votre œil, bien, énergétiquement, le corps éthérique autour du corps physique protège votre corps physique, là. Le corps éthérique puis l'aura nous protège, en fait, de trucs qui viennent de l'extérieur. Puis ceux et ceux qui sont comme habitués à écouter de plus en plus leur corps, pas juste le corps physique, vont comme. Il y a comme un truc extrasensoriel qui est là, qui se développe, puis que ça nous amène des intuitions, puis des compréhensions, des fois, à force de. Puis c'est ça, tu sais, plus que vous travaillez en conscience, plus que vous apprenez à comprendre les choses qui viennent dans vos énergies, tu sais. Moi, c'est comme ça, en fait, que je l'enseigne tout le temps. Peu importe c'est quoi la formation que vous prenez avec moi, je vous enseigne à vivre les choses. Donc, plus vous allez les vivre, plus vous allez les comprendre. Puis après ça, hein, c'est tout dans votre énergie. Vous repartez avec tout ce bagage-là dans une autre vie, là. Avec votre essence, avec votre âme, en fait. C'est l'âme qui apporte tout ce bagage-là. Donc, c'est important. C'est plus important que les acquisitions matérielles. Mais c'est pas moins important d'en avoir, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais c'est parce que quand on va mourir, c'est pas avec le matériel qu'on passe, c'est avec les connaissances, le vécu, ce qu'on, les émotions, nos apprentissages, tout ça. Fait que, en tout cas, moi, c'est ce que je suis venue cultiver dans cette vie-ci. Une forte aura puis un aura équilibré va te permettre de maintenir une énergie personnelle intacte, je vais dire puissante, forte,
Puis aussi aligné à ta lumière intérieure, ton essence pure. Même quand tu es dans un environnement qui est chargé à long terme. Le but de ma formation en jugement, c'est vraiment de vous aider à vous fortifier énergétiquement, à être autonome, à être capable de, OK, là, il y a une porte de vulnérabilité qui s'ouvre, il y a de l'ombre qui passe là, puis là, je la vois, puis je sais quoi faire avec, tu sais. À la limite, à un moment donné, tu vas voir des trucs rentrer dans tes corps, par exemple la grippe, tu sais, le virus de la grippe, puis tu vas le percevoir, tu vas lui donner une poussée, puis ça va ressortir de tes corps. Le but, c'est vraiment de pouvoir arriver à voir 360 en dessous des pieds, au-dessus de la tête, partout autour de toi, comme si tu avais des yeux un peu partout, qui va comme te faire sentir que, oh, il y a comme une intrusion, là, il y a quelque chose qui rentre, il y a un virus qui rentre, il y a un intrus qui rentre, peu importe c'est quoi. Puis tu sais, moi, je suis pas dans les patentes, là, ésotériques, là, tu sais. Je suis pas là-dedans, j'ai pas étudié ça. Puis à la limite, pour moi, c'est que de l'illusion. Donc, mais à quelque part, tu sais, je sais que quand on arrive à être en maîtrise de, ben, tu lui donnes une petite poussée de lumière, puis ça sort de tes corps énergétiques, puis le tour est joué. Le but, c'est que tu sois assez forte éventuellement dans ta présence lumière, pour ne pas que ça rentre parce que ton taux vibratoire il est trop haut. Mais veux, veux pas, tu sais, peu importe, tu sais, même si ton taux vibratoire est haut, tu n'es pas sans expérience. Puis s'il y a des choses qui doivent t'entrer, ben, ça va rentrer. Comme la contamination de nos conjoints, conjointes, là. Tu sais, eux, ils vivent des choses, ils peuvent être mal en point, malades, avoir des challenges de vie qu'ils vivent. Puis si tu es assez forte dans ta lumière, ben, tu n'auras pas à vivre les trucs des autres, là. Fait que tu peux arriver, si tu es dans ta présence lumière, c'est sûr que, tu sais, il faut faire attention, là, il y a des portes de vulnérabilité, comme je dis tout le temps, là. Fait que c'est ça que, mais en même temps, si tu cultives ta présence lumière, puis tu prends l'expansion dans l'ange ou l'être de lumière que tu es, tu vas t'auto-protéger naturellement. Donc, c'est pour ça que je fais partir, tu sais, l'exercice que j'ai fait au début, là, centration au niveau du cœur, connexion cœur de la Terre-Mère, connexion céleste, on ramène ça dans notre cœur, puis on prend l'expansion. Puis notre pied de lumière, faut qu'il reste ouvert toute la journée. Puis plus vous allez faire l'exercice, plus vous allez voir que ça va prendre de l'ampleur. Donc, puis en prenant de l'ampleur, mais vous auto-protégez. Parce que votre vibration est juste plus à ces niveaux-là. Mais c'est sûr, tu sais, si à un moment donné, il y a comme de la fatigue, tu te nourris pas assez bien, tu es dans une colère, tu sais, il y a une porte de vulnérabilité qui peut s'ouvrir. Elle n'est pas obligée d'être grande puis longtemps pour qu'il y ait des trucs qui s'infiltrent. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est sain parce que ça nous fait évoluer. Fait que, puis on voit aussi à un moment donné qu'on a de moins en moins de réactions à ces choses-là. Le corps éthérique, son rôle, c'est vraiment une couche subtile d'énergie située autour du corps physique, pour le corps éthérique relié au physique, là. C'est le premier champ d'énergie à recevoir des énergies extérieures avant de rentrer dans le corps physique. En fait, c'est pas le premier, là, tu as tout plein d'autres corps, mais champ d'énergie, tu sais, couche subtile d'énergie autour du corps physique, c'est là-dedans que ça rentre avant de rentrer dans ton corps physique. Donc, c'est pour ça que plus tu es en conscience de tes différents corps, plus tu vas comme voir. Puis plus tu travailles sur toi, plus tu purifies tes corps, parce que, tu sais, c'est sûr que si tu as les corps chargés, ben, qu'il y ait une petite grenouille de plus ça ne changera rien, puis tu ne le verras même pas. Mais c'est ça, si tu prends soin de vraiment faire un rituel de nettoyage de tes différents corps quotidiennement, puis peut-être, tu sais, même plusieurs fois dans ta journée, éventuellement, ben, tu vas comme percevoir toute petite trace, tu sais, je vais dire d'énergie négative,
Même si j'aime pas trop dire négatif, positif, mais vous comprenez parce que quand c'est positif, on reçoit de l'amour et on n'a pas. On accueille. Fait que c'est le premier plan à recevoir les énergies extérieures puis interagir avec l'environnement. Il s'agit d'une protection contre les énergies négatives, les influences extérieures. Ben, ce n'est pas nécessairement juste ça, là, parce que ça peut te donner de l'info tout simplement sur ce qui vient quand tu apprends à connaître tes corps et ton énergie. Il aide également à régulariser la vitalité physique. Pour ceux et celles qui ont étudié la multidimensionnalité, ça pourrait être la grille de vitalité, là, pour ceux et celles qui ont étudié ça. Donc, c'est une première, je vais dire, couche d'énergie qui protège. Le lien avec l'aura, c'est que l'aura est constituée de plusieurs couches, dont le corps éthérique, qui représente notre état d'énergie globale. Donc, ça reflète nos émotions, pensées, santé, spirituelle. Pour ceux et celles qui ont été dans des salons puis ont fait prendre des photos, je me souviens pas du nom, là. Mais c'est la photo de ton aura, là. Tu sais, ton aura change à tous les jours. C'est sûr que tu vas avoir. Moi, je vois la couleur de l'âme, ça, c'est différent parce que ça reste. Les couleurs de l'âme, ça reste. Tandis que ton aura, elle change selon ton humeur, tes émotions, tes pensées, ta santé aussi. Pas juste spirituel à tous les niveaux. Donc, il y a des fois, si on peut voir qu'on a plus besoin de travailler tel chakra, on va avoir plus de cette couleur-là dans notre énergie. Ça se peut qu'à ce moment-là, quand tu prends ta photo, tu as un chakra qui est plus ouvert que l'autre parce que tu es en train d'utiliser ce chakra-là. Donc, on va voir plus cette énergie-là. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a bien des choses à prendre en considération là-dedans. C'est pour ça que pour moi, c'est comme un petit peu superflu, ça, parce que, bon, en même temps, c'est pour permettre à ceux qui ne voient pas de voir aussi, là, mais ça change. Donc, étant donné que ça change, ce n'est pas quelque chose qui. C'est sûr que tu peux travailler avec sur le moment, mais c'est tout. Les signes de faiblesse dans l'aura et le corps éthérique, c'est sûr qu'on peut, quand on a de la fatigue persistante, puis on a un manque d'énergie, c'est parce que là, il y a comme des faiblesses au niveau de l'aura et le corps éthérique. Sensation d'être drainé après avoir été en contact avec certaines personnes. C'est sûr que là, on peut parler d'empathie aussi, là, sensibilité, fait qu'il faut faire attention. Difficulté à maintenir un équilibre émotionnel ou mental. Puis sensibilité accrue aux émotions ou aux énergies des autres. Donc là, ça, c'est des points que peut-être que vous avez remarqué que vous avez des fois, une fois de temps en temps. À faire attention, comme je disais, parce que les empathes, ils peuvent se sentir comme ça aussi. Si vous avez un profil en human design de projecteur, ben c'est clair que les projecteurs. Il faut qu'ils prennent vraiment du temps pour se connecter puis se ressourcer avant de pouvoir en donner aux autres. Fait que si vous apprenez à vous connaître, là, il y a plein de trucs, là, puis il y a peut-être des signes astrologiques aussi, là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est comme un bélier, c'est quelqu'un qui va être vraiment beaucoup dans l'action, à moins que tu aies le bélier fort dans ta carte du ciel. Là. Donc, tu sais, il y a comme beaucoup de choses là, à prendre en considération là-dedans. Méthode pour renforcer le corps éthérique. Là, je vais vous faire faire une méditation pour renforcer l'aura. On va commencer avec ça. Donc, si vous n'avez pas une position confortable présentement, vous êtes en train de faire d'autres choses pour ceux et celles qui ne sont pas en direct, là. Je vous demanderais peut-être de peser sur pause puis d'y revenir plus tard quand vous allez avoir un 15-20 minutes pour vous, là. Ça ne sera pas tant que ça, mais je vous suggère peut-être d'être plus longuement dedans. Fait que ceux qui sont en présence avec moi, on n'ira pas 15-20 minutes, mais vous pourrez le refaire plus tard si vous voulez pour revenir à ça. Donc, le but, c'est d'équilibrer puis fortifier le champ énergétique pour mieux se protéger des influences extérieures. Donc, on va s'ancrer profondément au sol. Donc, je vais vous demander de visualiser des racines qui partent de votre chakra du cœur, par exemple, qui descendent dans votre
canal pour aller sortir par la plante des pieds. On va aller se connecter au cœur de la terre-mère. On va ramener l'énergie du cœur de la terre-mère pure et brillante par les racines qu'on a créées dans notre cœur. D'où la connexion au cœur est favorable. On va faire la même chose vers le haut. On va voir comme si on allait se connecter au céleste, puis on ramène l'énergie du céleste dans notre cœur. Puis là, on fusionne le terrestre, le céleste dans notre cœur. Puis on fait prendre l'expansion à l'extérieur. Je vais vous demander de prendre des respirations profondes et conscientes en visualisant une lumière blanche qui entre dans vos poumons à chaque inspiration. Imaginez cette lumière se diffuser depuis votre cœur vers l'extérieur, formant une bulle de lumière dorée tout autour de vous. S'il y a d'autres couleurs qui viennent, obstinez-vous pas avec ce qui est bon pour vous dans le moment présent. Laissez venir tout simplement. Donc là, c'est comme si vous faisiez à partir de cette lumière-là que vous inspirez dans votre chou. Une bulle de protection à l'extérieur. Et pendant que cette bulle se forme et que le travail se fait, vous allez répéter: mon aura est forte et lumineuse. Je suis protégée et en harmonie avec ma lumière intérieure. Vous allez imaginer un halo doré qui entoure la bulle de lumière. Ça peut être un halo plus ou moins épais, laisser venir ce qui est là, empêchant toute énergie négative de pénétrer. Moi, j'ai longtemps fait comme si j'étais dans un œuf, là. Fait que vous pouvez comme voir, ça peut être comme la forme d'un œuf avec une coquille bien épaisse. Puis là, mon aura est forte et lumineuse. Je suis protégée et en harmonie avec ma lumière intérieure. Mon aura est forte et lumineuse. Je suis protégée et en harmonie avec ma lumière intérieure. Excellent. Donc là, ce que je vous suggérerais normalement, c'est de prendre du temps pour continuer, tu sais, à recevoir, puis tu sais, continuer votre méditation suite à ça. Là, étant donné qu'on est en direct, ben, je vais vous demander de revenir tranquillement dans l'ici, là, maintenant, mais tout en gardant cette belle bulle d'énergie autour de vous. Donc là, ce que je vais vous suggérer de faire. Ça, c'est plus tard au cours de la journée. On appelle ça le rituel de purification éthérique avec la sauge. Bon, si vous avez un balai ou quelque chose, moi, je me suis créé un balai là, avec une broche à tricoter que j'ai mis des plumes dessus, un beau ruban, tout ça pour balayer énergétiquement. Votre sauge ou autre fumée que vous faites dans votre maison. Donc, vous pouvez nettoyer votre aura et les énergies négatives accumulées à l'aide de sauge blanche ou de Palo Santo. Il y en a qui vont utiliser d'autres trucs. Il y a plein d'affaires sur le marché. Allez-y avec qu'est-ce que vous sentez. Moi, j'adore les effets de la sauge. J'aime beaucoup aussi le Palo Santo. C'est un bois. En fait, c'est le bois d'un arbre, là. Donc, ça sent vraiment très bon. Allez-y avec ce que vous voulez, mais on peut faire un nettoyage au niveau. Puis ça pourrait être fait par vous-même. Puis on pourrait se le faire, c'est quand on est en couple, là, ou avec des enfants, whatever, parents.
Donc, puis on balaie en fait la fumée dans nos énergies. Puis en faisant ça, ben, on peut répéter des mantras comme je me libère de ce qui ne m'appartient pas et je restaure ma propre lumière. Je réactive, peu importe, ma propre lumière intérieure. Donc, on se libère. Le but, c'est de se libérer de ce qui ne nous appartient pas. Surtout si vous avez côtoyé des personnes dernièrement qui vont moins bien, mettons. Exercice d'ancrage à la terre. Donc là, le but, ça va être d'ancrer le corps. Là, je vous donne une panoplie d'exercices. Je vous demande de les faire chez vous. Puis après ça, vous pourrez pratiquer puis venir repartager. Donc, ancrer le corps éthérique pour renforcer sa stabilité. Donc, premièrement, ce que je vous demande de faire, bon, idéalement, là, dans la nature, si vous le pouvez, mais ça peut être tout simplement dans votre appartement, votre maison, là, mais marcher les pieds nus dans l'herbe, dans le sable, c'est idéal. Dépêchez-vous, parce qu'il ne reste pas grand temps au beau temps. Mais en même temps, c'est juste, moi, je fais juste me visualiser comme si j'étais. Puis imaginez des racines d'énergie qui s'étendent. Je joue avec mon son, désolé, là, je déroule mes affaires. Puis imaginez des racines d'énergie qui s'étendent depuis vos pieds jusqu'au centre de la Terre-mère. Vous allez visualiser l'énergie de la Terre qui va remonter travers vos pieds, puis nourrir votre corps éthérique. Comme si l'énergie, un peu comme dans le film Avatar, c'est ça que je prends conscience, là. Comme si, tu sais, la connexion à la Terre, elle remontait vraiment, puis, mais c'est votre corps éthérique. Vous allez le rendre lumineux et plus fort. On recharge comme le corps éthérique, comme une batterie. Oh, je vais demander de prendre quelques instants. On va le faire ensemble. Ça va juste faire du bien. Fait que vous allez visualiser des racines qui partent de la plante des pieds, qui descendent jusqu'au cœur de la terre-mère. Vous allez visualiser l'énergie pure de la terre-mère qui remonte. Mais là, au lieu de rentrer comme je vous fais faire d'habitude dans votre corps, vous voyez comme cette énergie-là qui vient fortifier votre corps éthérique, puis même jusqu'à votre aura, là, ça peut aller plus loin que le corps éthérique. Fait que c'est comme si vous receviez de l'énergie, de l'électricité, je veux dire ça, de la lumière, de la terre. Puis là, jusqu'à temps que vous sentiez que vos corps, votre corps éthérique, mais aussi votre aura, soient rechargés. Ça peut être fait tout au cours de la journée, plusieurs fois dans la journée, surtout si vous avez des crashs d'énergie habituellement dans la journée, là. Donc, il y en a qui vont avoir des crashs d'énergie au cours de la journée, là, pour différentes raisons. Bien là, vous pouvez ressentir le besoin d'aller faire cet exercice-là. Puis on ressent vraiment que l'énergie est plus forte. Puis vous ressentez que ça a des effets sur vos autres corps, surtout votre corps physique. Mais on voit que ça vient toucher aux différents autres corps aussi. On peut aussi utiliser les cristaux pour renforcer puis protéger l'aura. Bon, là, il y en a une panoplie, là. Moi, je vais tout le temps avec ceux que je pense que la plupart du monde peuvent me connaître, là. Le quartz clair, il amplifie l'énergie personnelle, mais il protège aussi des influences négatives. La tourmaline noire, elle absorbe les énergies indésirables puis crée un bouclier de protection pour l'aura. L'améthyste va favoriser la clarté mentale puis renforcer l'aura, mais elle va apporter aussi du calme et de la sérénité. Donc, on peut porter un cristaux sur nous, le mettre dans nos poches, l'avoir. Moi, quand j'ai commencé à faire mes consultations, j'avais toujours, toujours des cristaux avec moi.
Le quartz clair, pour moi, c'était pas tant pour me protéger que d'avoir une super connexion parce que c'est comme si ça me. Un peu comme l'eau, là, c'était comme un amplificateur. Mais j'ai longtemps eu des pierres, tu sais, pour absorber parce que c'était difficile au début, je me rappelle, là, c'était vraiment pas facile, là, tu sais, j'étais souvent. J'avais besoin d'aller chercher une maîtrise. Là. Donc, puis l'améthyste, ben, j'en ai toujours autour de moi parce que c'est une pierre que j'adore. C'est beaucoup relié avec mon énergie, puis j'aime beaucoup. Fait que, là, j'en ai peut-être moins, tu sais. Je vais avoir plus des bijoux, mais c'est pas dans le but de quelque chose. C'est parce que je sens l'appel d'eux. Mais j'en ai toujours. Ici, dans mon espace sacré, là, j'ai des pierres tout autour de moi. En avant, en arrière, sur le côté, j'ai des pierres tout autour, là. Tu peux pas t'imaginer les pierres qu'il y a ici. C'est pour ça que quand les gens rentrent, ben, c'est comme ouf, ils ressentent l'énergie. Donc, allez-y avec ce que vous sentez. Moi, j'ai des lampes de sel aussi pour les trucs négatifs. Mais là, on parle plus de renforcer l'aura et tout ça. Mais c'est ça. Fait qu'allez-y avec ce que vous ressentez. Puis, il y a plein, plein, plein de choses qui étaient écrites là-dessus, là, sur Internet. Moi, j'étais allée là, dans les boutiques. Quand j'y allais, là, je prenais intuitivement ce que je chantais. Quand tu sens rien, tu sens rien. Tu sais, tu passes à autre chose. Mais il y a des fois, il y a des connexions avec des trucs là, que c'est comme wow. Fait que, c'est ça. Affirmation. Vous pouvez aussi utiliser des affirmations pour renforcer les corps éthériques et l'aura. Donc, mon aura est forte et lumineuse. Je suis en parfaite harmonie avec mon énergie. Je suis protégée et alignée avec la lumière divine. Rien de négatif ne peut pénétrer mon champ énergétique. En fait, là, j'irais plutôt par, tu sais, moi, les affirmations qui sont faites, j'essaie tout le temps d'aller chercher. La première est parfaite. Celle-là, rien de négatif ne peut pénétrer mon champ énergétique. J'irais plutôt que les énergies positives et puissantes peuvent pénétrer mon champ énergétique. Je fais toujours une formulation positive. J'attire des énergies positives et je me libère de ce qui ne me sert plus. Ça, c'est important. Moi, je demande tout le temps qu'est-ce qui est prêt à. Ça peut s'en aller. Ce qui m'appartient pas, tu sais, parce qu'il faut se nettoyer continuellement. On est toujours en contact avec des personnes. On vit des expériences dans notre plan, dans notre expérience humaine. Donc, c'est important de. Mais plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez avoir un savoir quand ça va rentrer dans vos corps. Il y a comme. C'est comme si vous étiez un peu comme. Ben, une mouche ou un araignée, là, tu sais, avec plein, plein d'yeux partout autour de la tête, là. Pourquoi renforcer le corps éthérique et protéger l'aura? Ben, un aura qui est fort nous aide à ne pas absorber les énergies négatives, justement, de nos environnements. Fait que plus ta luminosité est forte, plus ton énergie est forte, moins tu as de chances d'absorber les trucs négatifs de l'extérieur. Lorsque ton aura est équilibrée, on reste stable émotionnellement, même dans des situations qui sont difficiles. Donc, plus ton aura est équilibrée, plus tu vas avoir un maintien de ton équilibre émotionnel. Donc, puis un champ énergétique pur permet une meilleure réceptivité des messages spirituels et un alignement plus clair avec la lumière divine. Toutes les réponses sont bonnes de ce que je viens de te donner. La plus importante, à mon avis, c'est la dernière, c'est que plus tu es dans une pureté d'énergie, d'où mon but de la création de la formation Mange Humain, plus ton énergie est pure, moins tu as d'interférences et meilleure va être ta connexion, puis ta réceptivité, puis tes messages. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un que vous allez voir en consultation, que vous sentez, tu sais, qu'elle ne frappe pas dans le mille à tout coup, parce que, tu sais, c'est comme impossible, mais on voit que c'est quasiment tout le temps, c'est juste, là.
comparativement à quelqu'un où on va la voir, puis là, on fait comme, oh, il y a un petit peu de n'importe quoi là-dedans, tu sais. Ben, c'est ça que je vous disais, tu sais, je reviens encore au tarot parce que moi, je parle à travers les archétypes du tarot. La carte de la lune au tarot, tu sais, la madame qui est bien connectée versus la madame qui n'est pas bien connectée, ben, celle qui n'est pas bien connectée dans l'illusion, là. Fait que, en chemin, ce que ça vous amène à faire, c'est vraiment d'avoir une connexion hors pair avec votre énergie puis vous-même. Donc, plus vous allez vous connecter avec la lumière à l'intérieur de vous, plus vous allez avoir des outils pour purifier cette énergie-là et mieux ça va être. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, la conclusion du jour 6, c'est qu'en renforçant le corps éthérique et en protégeant votre aura, vous allez créer un espace énergétique sûr et lumineux qui va vous permettre de rester aligné avec votre mission spirituelle, avec votre énergie la plus pure. Donc, puis avoir des bonnes. C'est les pratiques que je vous suggère. Si vous les faites de façon régulière, ils vont vous permettre de préserver non seulement votre énergie, mais aussi d'interagir avec le monde d'une façon sereine, sans être affecté par les énergies extérieures. Tu sais, tu peux rentrer dans un endroit, puis ça ne te prendra pas tant comparativement à bien du monde de te reconnecter à ta pleine puissance, même si tu te fais bombarder par des énergies négative extérieure. Tu sais, mon chum me dit, Colin, tu te couches le soir, puis tu t'endors. Puis, ben oui, il pourrait quasiment avoir une guerre, je dirais, sur Terre. Il y en a eu plusieurs, puis ça m'empêcherait pas de dormir parce que je vais chercher toujours la connexion la plus pure que je peux avec avec le moi supérieur, vous ne vous trompez pas, là. Donc, vous êtes prête à jouer votre rôle dans Jumain, hein? Puis en continuant à pratiquer tout ça, vous allez rester dans votre canal pur avec peu importe les situations, vous allez aller chercher la lumière derrière tout ça. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller vous présenter sur le groupe Facebook, faire les exercices d'aujourd'hui, puis d'aller écrire vos moments wow de la journée. Donc, on se revoit demain à 11h en direct pour le jour 7. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à 31 octobre minuit pour vous inscrire avec 1 000 $ de rabais à la formation longue en juin, où vous allez avoir une panoplie d'outils comme ceux-ci pour vous aider. Puis la nouvelle cohorte commence le 11 du 11. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas à les écrire sur le groupe Facebook. Ça va me faire plaisir. Est-ce que ça va tout le monde? Avez-vous des questions en direct là? Non? Ça va? Ça va-tu, Daniel? Disons que ça bouge beaucoup ici, là. Je te suis. OK, cool. Fait que cool. Fait que je vous souhaite une belle journée, tout le monde, puis bon travail. Merci. Alors. Bye.